Moi, je suis Jean-Marc Fuentes et je suis le directeur du festival. Voilà, je m'occupe de la programmation du Festival de la Voix. Et donc, dans la programmation de 2014, nous avions eu la chance d'avoir Barbara Hendricks qui s'est passée au Hall de Paris parce que le temps, et on a eu une alerte météo qui était prévue au cloître. Il y avait aussi Affiletta dans l'Abbatiale, les Corses. Ensuite, nous avions eu Irma, elle a eu le droit de chanter dans le cloître parce qu'il faisait super beau le vendredi soir. Donc, pour finir le festival, le dimanche, avec un groupe occitan, Nadao, où à peu près il y avait 2000 à 2500 personnes, un gros succès. Et il ne faisait pas beau, heureusement, parce que je ne sais pas si on aurait mis tout le monde devant la scène. Donc voilà. Mais Exactement. voilà. Et ça, c'est un gros succès. Finir le festival avec un concert gratuit offert à la population, moi j'aime bien cette solution sur le festival. Et pour finir un peu à faire la fête, et ça ouvre aussi la saison d'été. Bien sûr, il y a des artistes qu'on n'a pas pu filmer à cause du droit d'auteur. Oui, droit d'auteur. Donc c'était. Et ben Barbara Hendricks, Oui. Affiletta et Irma. Ces artistes-là, ils ont fait le plein. Beau succès sur Irma. Elle était très proche du public. Elle a démarré sa tournée avec son nouvel album. Et c'est vrai qu'elle est restée longtemps dans le cloître avec le public. Donc là, les gens, ils ont aimé. Barbara Hendricks, le public a été un peu déçu que ce soit pas dans le cloître, mais on n'avait pas le choix. Il pleuvait, même il a grêlé ce jour-là, malheureusement. Et c'est vrai que ça enlève un peu le charme, mais surtout qu'il faisait très très chaud dans le cloître avec l'orage et tout. Et on a eu une coupure d'électricité aussi avant de commencer. Donc c'était un peu le stress, ce concert. Mais bon, voilà, la grande dame avec sa voix sur le blues était bien là et les gens sont sortis super contents.
de la bouteille, revenez user carte vermeille, ride des crépis édentés, ça peut tenter. Le muet amplifie le geste pour montrer qu'il a de beaux restes, et le sourire deux fois plus fort, encore, encore. Le sucre désir vous agite, c'est le diable qui vous excite. Non, madame, ce corps qui frissonne, c'est le corps qui sonne. Viens même bébé, viens pépère, le temps fait du bien à la peine. Jette un sel dans tes cheveux. Un petit examen s'impose, mignon, à l'enfant, c'est l'arthrose. À point d'effet, les bidimes. Parfois, ma déraison s'égale. Je rêve de la pèlerin. J'aurais été l'amant de Jeanne Calment. Ce morceau, vous le connaissez à coup sûr toutes et tous, puisqu'il s'agit du thème et de la première variation du quatrième mouvement de l'opus 114 des 667. En la majeure, pardon, j'ai oublié de préciser, en la majeure. Et là, vous me dites rien du tout. Alors attendez, si vous connaissez, c'est sûr, vous connaissez. Si je vous dis Schubert, vous me répondez, la truite. La truite, c'est ni plus ni moins que le thème et la première variation du quatrième mouvement de l'opus 114 des 667. En la majeure. Mais les gens connaissent plus les vrais noms des morceaux. Non mais ça vous fait rire, mais moi je trouve ça rap, c'est énervant.
c'est le thème. Ah non, c'est la variation. Oui, et on n'applaudit jamais entre deux mouvements en musique classique. Non, non, mais tout. C'est pour ça, il y en a mal. Bon, par contre, attention à la variation. Je vous ai dit ça, c'est rythmiquement ça, ça entend. Hein. D'accord hein. Il vaut mieux avoir les oreilles averties. Attention, vous êtes prêts. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Yo tus tengo a mi sabio.
ながら行きさえ行かさいで行かさいで行きさえ行かさいでラビレンカさんLa lutte, il n'y a encore Moi, Jean-Marc, je trouve que ça a été une super programmation, un super festival. Mmh. Et donc, qu'est-ce que tu nous prépares pour 2015 ? Oui, le festival progresse depuis 3 ans. C'était une volonté qu'on a eue de changer de lieu et de passer dans le patrimoine. Et c'est vrai qu'on trouve de plus en plus d'artistes intéressants et qui veulent passer dans le cadre. Donc, c'est pour nous, c'est intéressant. Alors, la programmation de 2015 vient juste de sortir. Donc, ouais. elle a été dévoilée hier soir et elle est dans la presse ce matin. Les changements, donc, le nom du festival change un peu. Il est maintenant Festival des Voix des Lieux des Mondes. Et ça va être un festival intercommunal, plus une autre ville qui est la Française. Donc on va un peu s'éparpiller, aller voir dans ces petits villages des lieux du patrimoine et amener les artistes et faire circuler surtout la population entre les villes de la commune. Et il y a donc une date supplémentaire dans le cloître, ça fait 3 dates. On va commencer par Maury Arty qui va démarrer le festival le jeudi 24. 5 juin, voilà, Moriarty, qui est chanson un peu folk, et avec un nouvel album qui sort le 30 mars. Nous aurons ensuite un grand du jazz et avec une voix extraordinaire, c'est Al Jarreau, qui lui va se produire le vendredi 26 juin dans le cloître. Et on va finir le samedi soir avec des Français, mais disons des Français des îles de la Corse, avec Imurini, qui seront donc au cloître le samedi soir le 27 juin à partir de 22h. Pour l'instant, le dimanche, on ne s'est pas dévoilé, la province n'est pas dévoilée, et tous les artistes aussi dans la chapelle et dans les jardins n'ont pas été dévoilés. Donc, une partie de la programmation, c'était pour aussi que les gens achètent les places le plus vite possible. Ouais. Ah oui, il faut quand même signaler qu'à l'année, nous avons quand même tout ça et pour mettre en place tous ces projets, et on a besoin des bénévoles, donc il y a à peu près une vingtaine de bénévoles sur la saison, qui s'occupent du bar, de l'affichage et de l'accueil du public. Et sur le festival, l'année dernière, on avait 86 personnes sur le festival en 2014. Donc on va redémarrer les réunions avec les bénévoles à partir de février-mars pour mettre en place ce festival qui va être un peu déplacé. Donc on a besoin de beaucoup de bénévoles. Il y aura sûrement des bénévoles des autres villes aussi. On est très contents de ce lien entre les villes de la communauté de communes. Actuellement, il y a quand même d'autres programmations qui vont se passer dans le courant de l'année, avant le festival. Qu'est-ce que tu as mis comme programmation ? Alors, le mois de janvier va être assez chargé parce que nous avons Mio Sec qui est un album qui est vraiment bien, qui,
qui tournent beaucoup en ce moment, en début janvier. Nous avons aussi Grand Corps Malade qui sera au mois d'avril, et Pierre Perret en chanson. Donc voilà les grosses têtes d'affiche. Il ne faut pas oublier En Humour Félag, qui sera aussi fin janvier. Et voilà, une promotion qui marche bien et qu'on est content de. Et le public, je pense qu'il est content, sur mon sac, d'avoir une promotion de cette qualité. Il faut dire qu'on a une salle de spectacle qui est bien. On va profiter de cet enregistrement pour souhaiter à tout le monde, au centre culturel, à tous les acteurs culturels, les peintres, les gens qui font la bibliothèque, les musiciens de l'école de musique et toutes les associations du centre culturel, des bonnes fêtes de Noël et de revenir avec plein d'idées sur l'année 2015, parce qu'il va falloir se battre pour 2015, pour que cette année soit plein de projets culturels et que cette ville continue à bouger sur la culture à Moissac.